Issam Arabadzian, il est à gauche dans le coin bleu, il est face à Islem Hamech. Alors là, Philippe, on a des jeunes boxeurs. Oui, alors petite entorse parce qu'on va parler de Muay Thai. Oui. Et non plus de K1 hein, on l'avait vu avec les coudières hein, classiques en France. Et jeune boxeur, surtout pour Islem Hamech, 19 ans seulement. Exactement. Jeune Nakmoué très prometteur face à Issam Arabadzian qu'on a déjà vu, oui. En particulier on l'avait déjà vu l'année dernière ici même à Saint-Julien en Genevois. Et figurez-vous Jean-Paul que Issam Arabadzian, il est tellement persuadé qu'Islem Hamech est un espoir et un redoutable combattant que même s'il est toujours prêt tout au long de l'année, il a décidé de faire une préparation spéciale pour Islem Hamech. Donc c'est vous dire en quelle estime Issam Arabadzian tient son jeune adversaire. Tant mieux, ça va nous donner un combat de bon niveau. On le voit tout de suite dans les premiers échanges. Avec ici ce clinch, avec tentative de projection, mais on reste accroché. Et M. Nasser Soufi qui remet les deux Nakmoué au centre. Alors la famille Hamech, hein, grande famille de pratiquants de pied-point devant l'éternel. Faisal, le papa, est dans le coin. Il y a aussi le frère d'Islem, Hakim. Ah, Hakim Hamech, oui, ça. Qui l'a vu. Qui pratique aussi et qu'on a déjà vu aussi sur nos antennes. Donc voilà, c'est une famille de pratiquants engagés, l'Urban Boxing Multibox, voilà. Et quant à Arabadzian, eh bien lui aussi on l'a déjà vu. Alors combattant intéressant aussi, compliqué, plus d'expérience, plus de combats. Hein. Oh oui, cette jolie droite pour Arabadzian qui est allé plusieurs fois en Thaïlande. Enfin voilà, c'est une des un des boxeurs installés dans le Muay Thai français, hein, Issam Arabadzian. Islem Hamech, eh bien lui, il a toute sa carrière à faire. Et pour l'instant, il n'a pas l'air du tout impressionné par la carte de visite d'Arabadzian. Il est même bien installé dans le combat. Chacun fait valoir ses arguments pour l'instant. Et on marquera surtout une boxe plutôt facile des deux jeunes avec qu'on soit à mi-distance, qu'on soit en clinch, qu'on soit à distance, voilà, on est bien. Elle est belle la salle, hein, vous avez vu. Ah, c'est joli. C'est hein. Magnifique, hein, vraiment. Ah, c'est joli. Oui, oui. C'est bien ce qu'il a fait encore Islem Hamech qui fait reculer quand même Issam Arabadzian. Et on le sent, alors attention parce que comme il est un petit peu plus grand Islem Hamech, il va falloir qu'Arabadzian se méfie des genoux. Vous savez que cette différence de taille favorise les grands hein, lors du clinch et les coups de genoux. Il les a pointus les genoux. Et il les a très pointus. Exactement. Comme son frère Hakim, hein, avait les très très bons coups de genoux aussi. Regarde ce que tu fais. Seb, tu mets la garde d'avance. Vous voyez le genou comme il est monté facilement. Alors il n'était pas trop appuyé, ça a été pour Arabadzian, mais voilà, faut pas en prendre trop des comme ça. Hein. Pour mieux éviter. S'il bloque, tu changes de côté à chaque fois. C'est facile au combat, tu vas tranquille. Franchement, tu continues, tu n'es pas fatigué là. Tranquille, voilà, c'est bien. D'accord, on baisse pas la tête à chaque fois. D'accord, on y va mon pote. Elle change de côté à chaque fois. Pas de soucis. T'es là, là, c'est bon, tu es là. Tranquille, donc on dit ça, moi. Voilà. Oui. Et on va partir dans la deuxième reprise d'un combat pour l'instant très équilibré, mais avec un Islem Hamech qui insensiblement est en train de marquer de son empreinte. Ah oui, mais là. Mais il a été contré. Ah là, oui, le crochet à la mâchoire
force monsieur Nasser Soufi à le compter. C'est-à-dire qu'il a bien été au tapis, ouais, c'est sûr. Même s'il n'est pas content. Ah bah ouais, mais bon. On n'est jamais content de se faire compter. Et il a encore été touché en contre. Ouais, c'est ce qu'on a dit dans le coin d'Issam Arabadzian. Vas-y, c'est le moment d'accélérer. Il est touché, il n'est pas bien. Ouais. Ouais, front kick. C'est-à-dire que être compté en tout début de reprise, c'est dur. Hein, oui. Parce que, voilà. Oui, on traîne ça un peu comme un boulet. Ouais, hein, tout ça au long veut dire du... pendant 3 minutes, ouais, il va falloir serrer les boulons, verrouiller les écoutilles. C'est dur. Hein. Ouais, ouais, ouais. J'adore l'expression verrouiller les écoutilles. Hakim au pied du ring, justement. Voilà, vous le voyez. Il fallait encourager son frère. Oui, oui, oui. Il y a un air de famille, hein. Ils ne peuvent pas se... ils peuvent pas se renier. Oh, oh, on a pu retourner. Ah oui, oh, le genou sauté d'Hakim de Disney Mamesh. Ah, c'était joli, hein. Vraiment belle série là entre les deux, ouais, entre le back elbow et encore la droite, coup de genou. Darabadzian, le crochet gauche. Alors au niveau des jeux, des têtes d'âne, par contre, il est plutôt pas mal, Islam Amesh. Ah, Islam, il est très à l'aise, ça veut dire que normal, hein, vu son gabarit un peu démultiplié. Hein. Oh oui. Et encore protection. Il utilise bien les déséquilibres, il fait ma mèche pour projeter. Les genoux. Attention, il est accroché au bloc, donc là il faut arrêter. 19 ans, mais déjà roublard. Hein. Routard et roublard. Oui, 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 complètement. Bien vu de la part d'Islam Amesh. Allez, 15 secondes. Oh, la petite gauche là. Okay, bien sèche, et oui. Et c'est au tour d'Issam Arabadzian d'être compté. Alors décidément, on revient à égalité dans, ouais, cette deuxième reprise. Oui, il a raison monsieur Soufi, parce qu'il n'est pas tombé pour rien, Arabadzian. Il l'a bien pris cette gauche. Et sauf que Soufi... être compté à la fin de la route, c'est pas pareil. Oui, bah, être compté au début, on traîne ça comme un boulet. Voilà. Être compté à la fin, ça plombe la minute dans le fond. C'est ça, on est mince. Il suffisait de quelques secondes si j'avais serré un peu les boulons. Arrête, j'ai de problème. Oh là là, cette droite. Tu m'as pas touché. Récupère. Oh là. J'ai entendu, hein. Dans le coin d'Islam, on lui a dit tais-toi, récupère. Dites-moi. Il a un crochet gauche, il t'a touché avec le crochet gauche, t'es descendu, t'as fait l'ascenseur. T'as fait l'ascenseur. T'as fait l'ascenseur. T'es revenu. Mais maintenant, écoute, arrête de te jeter, ton bras gauche, il est trop bas. Il t'a touché sur le côté droit. Lève tes poings et travaille ton crochet gauche. Ton crochet gauche, tu l'as touché avec ton crochet gauche. T'as vu ? En direct, t'as vu ? Islam. Mais toi, essaye de te mettre en gaucher et c'est bien. Projection, là, comment il utilise bien le déséquilibre. Et le levier pour emmener. Et ouais, hop, le petit gauche là, voilà. Ouais, et il y a eu la droite juste avant. Hein, ouais, oui, mais le gauche est venu au menton. C'est quand je te dis, parce qu'il a pris l'habitude de cross, tu l'as trop mis après. Le kick, tu changes de côté à chaque fois. Le kick, jambe avant, le kick, jambe arrière, le kick, jambe avant. À chaque fois, tu changes. Quand tu commences à masquer, tu mets l'anglaise. Comment on a fait tout à l'heure au pao. Allez, c'est les trois dernières minutes. Et ouais, il s'en est passé des choses dans les deux premières. Hein. Bah, une première reprise, on va dire, plutôt classique. Oui, d'explication, voilà, c'est ça. Une deuxième reprise à égalité au niveau des comptes, des knockdowns. Donc, la troisième. La troisième et dernière qui va être la reprise décisive, normalement. Et on repart sur les projections. Et ça, il sait les faire. Hein. Il se les manège, ah, pas, oui, de problème. Hein. Oh! Ah, la gauche comme ça en semi-uppercut, hein, semi-direct, on l'a vu, hein, c'est arrivé par en dessous avec la droite enchaînée. Ah, c'était un beau mouvement, hein, de la part d'Arabadzian. Déséquilibre, mais il n'a pas suivi assez tôt en ligne haute. 2 minutes 30. Yeah.
Alors il y avait le petit coude là en contre, ouais. Le petit coude en direct d'Issem Hamech juste avant le début de l'enchaînement. Très bien vu ce petit coude, très sec. Il a encore touché avec le low kick, Issem Hamech, et puis l'enchaîner avec les points. Bon genou. Oh oui. Il a cherché par-dessus l'épaule. Ça, c'est l'avantage. Quand on est grand et multiplié comme Issem Hamech, ça marche bien, ça. Il est en train de creuser un petit écart, Jean-Paul Issem Hamech. Ah, et puis le... Ouais. Ouais, faut les calmer, fait ça la mèche un petit peu. Bon, encore le genou. Encore, ouais. Et surtout le genou à la fin d'un enchaînement qui a mis en difficulté Issam. Hein. Ouais, ouais. Il a encore touché. Il est touché, Jean-Paul. Ah ouais, non, mais là il y a une, il y a un passage hein, qui est en train d'être opéré, ouais. Pour Issem Hamech. Mais surtout il n'est pas bien, il n'est pas bien, Issam Rabadzian. Il a mal à la jambe. Ouais, regardez, on sent, c'est terminé. On sent ralenti. Et la souffrance est trop dure sur cette jambe d'appui. Ah, il ne pourra pas. Non. Il ne pourra pas. C'est non. Pas possible. Non, non. C'est fini. C'est fini. Bravo. Oh, quelle signature hein, pour Issem Hamech qui aura, oh, la jambe. Oh, la jambe, ah, oui. Qui aura montré toute sa fougue. Pourtant c'était fougue. Joli cet enchaînement avec oui, qui aura montré toute sa fougue mais en même temps toute sa maturité, Philippe. Une maturité déjà à 19 ans. Ça promet hein, oui. Pour le jeune Islam. Ouais, on sent là Issam Rabadzian qui donne toute son énergie dans les derniers moments, mais après c'est fini. Ça fait trop mal. Ça fait mal. Oui. Ça fait mal. Allez, le verdict officiel, Philippe. Vous allez peut-être nous faire parler un petit peu. Eh bien, figurez-vous qu'on voulait le faire parler. Et il est parti. Et il est parti. Non, mais c'est dingue. Il a oublié. C'est ça. T'arrives à plier un peu ? Vas-y, mets de la place. Oh, celui-là, qu'est-ce qu'il fait, ah ouais, mal. Vous entendez, vous entendez. Qu'est-ce qu'il a fait. Il arrive à plier la jambe. Ah, on lui demande à Rabadzian, ouais. Ça a fait très, très mal. Ah, il a fait très, très, très mal. On l'a vu, il a donné avec tout le poids. Remise des récompenses pour ce match. Le vainqueur de ce ouais, combat. Papa qui rectifie la tenue, hein, vous avez vu. Point rouge, Islam Hamech. Ouais, belle victoire, hein, vraiment. Très bien.